Nous allons aujourd'hui voir 5 mystères qui ont été découverts sur la planète Mars et qui à l'heure restent inexpliqués par la NASA. Numéro 5. Cela semble vraiment difficile à croire et pourtant, un ancien officier de la marine américaine qui se fait appeler Captain K affirme avoir passé 17 ans de sa carrière sur Mars et dans l'espace. Eh oui, 17 ans c'est énorme, et on se demande bien comment il a pu revenir sur la planète Terre après cela. D'après ce que raconte Captain K, l'armée l'avait envoyé en poste sur Mars afin qu'il passe partie d'une garde de protection armée censée défendre 5 colonies humaines établies sur Mars. Vous vous demandez sans doute de quoi ces colonies humaines avaient besoin qu'on les protège. Eh bien d'après Captain K, il y avait sur Mars des formes de vie indigènes qui pouvait représenter une menace pour les humains. Après cela, Captain K a passé 3 ans à l'intérieur d'un vaisseau spatial secret appartenant à la firme multinationale Earth Defense Force. Cette compagnie recrute des militaires du monde entier pour les former à devenir des soldats de l'espace. Captain K raconte avoir appris à piloter 3 engins spatiaux différents qui devraient être destinés à la guerre, ainsi que 3 types de bombardiers spatiaux. Ces entraînements ont lieu sur la Lune en plein cœur de l'espace, et sur la Lune de la planète Saturne Titan. Après 20 ans de bons et loyaux services dans l'espace, Captain K a pris sa retraite. Et bien sûr, sa cérémonie de départ à la retraite a eu lieu sur la Lune. Tout cela ressemble au scénario d'un film de science-fiction. Avouez que vous êtes quand même un peu jaloux. Numéro 4. D'après des photos officielles qui circulent sur le web, des os de dinosaures martiens auraient été retrouvés sur la planète Mars. Et oui, les fameux clichés ont été capturés par Curiosity, une astromobile envoyée sur Mars par la NASA dans le cadre d'une mission de reconnaissance appelée Mars Science Laboratory. Sur ces clichés, on peut apercevoir les fossiles d'os qui semblent appartenir à une bête préhistorique qui aurait existé il y a longtemps sur Mars. On peut même distinguer un crâne avec des trous pour les yeux et une fente pour la bouche. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas à quelle espèce ce squelette a pu appartenir. Numéro 3. Récemment, une autre découverte très mystérieuse sur Mars a fait parler d'elle. Sur des images vues du ciel, on peut distinguer un cercle parfait formé par des pierres et placé au sommet d'un promontoire de terre. Les internautes se sont empressés de comparer cette étrange formation à celle de Stonehenge en Angleterre. Dès lors, de nombreuses théories ont fusé. Certaines disant qu'il existait sur Mars une civilisation ancienne comme sur notre planète et que cette formation de pierre est l'un des vestiges de leur religion. Mais selon certains scientifiques, ce type de formation rocheuse, aussi étrange semble-t-elle, peut très bien avoir été formée de manière entière naturel par des éléments comme l'érosion. Pour le moment, on ne sait toujours pas quelle est l'hypothèse exacte. Numéro 2. Sur une autre photo prise par Curiosity, des internautes ont décelé une sphère qui semble léviter dans les airs, et ce à quelques centimètres au-dessus du sol rocheux de la planète Mars. En effet, lorsqu'on regarde la photo en question, on peut facilement voir une tache noire sous la sphère qui fait penser qu'elle flotte dans les airs et que cette tache est son ombre. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Il faut donc se contenter de spéculer sur ce que peut bien être cette sphère étrange qui lévite dans les airs. Numéro 1. On termine avec l'une des découvertes les plus bizarres qui ont jamais été faites sur la planète Mars. Certains internautes affirment avoir trouvé sur des photographies de Mars l'exacte réplique des pyramides égyptiennes, sauf qu'elles se trouvent bel et bien sur Mars. La pyramide de Mars semble, d'après la photo, faire la taille d'une voiture à peu près, mais l'on pense que ce que l'on voit sur le cliché peut être seulement la pointe de la pyramide, qui est en partie enfouie sous le sol. En tout cas, aucune autre photo n'a jamais été prise de cette étrange formation, et l'on n'en sait pas plus. Au point que des théories du complot sont nées sur le web, affirmant que la NASA veut cacher cette découverte. Quoi qu'il en soit, si c'est bien une pyramide comme on le croit, cela pourrait être la preuve qu'une civilisation ancienne a vécu sur Mars comme sur notre planète. Je parie que vous avez envie d'en savoir plus.